Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frérots, mes sœurs, j'espère que vous allez bien. J'étais en voyage pour le TPD en Tunisie. Du coup, Bénil Azawajal, je vous prends avec moi dans la malle. On va voyager ensemble. 1200 km, je vous explique tout sur la route. Montez, montez. Qu'Allah vous protège, mes frères et mes sœurs. Je vous aime trop pour Allah. Ça, c'est peut-être ma future chambre d'hôtel. Voilà, quand on va aller en Tunisie, donc les Coran, on a préparé les Coran, ça qui est bien quand tu es en voyage. Tu vas beaucoup méditer, on va faire beaucoup de dora, Inch'Allah, pour vous. Je vais vous faire des dora. Qu'Allah vous facilite la hijra, qu'Allah vous facilite le pays. On part avec les petits, voilà, à 5, à un régal, hein, un régal. Hein, je suis, alhamdoulilah, qu'Allah mette la baraka. Et on n'oublie pas l'invocation du voyageur. Là, normalement, il est là, moi, le livre de Sheikh Al-Albani. Mais non, là, il y a juste la pierre pour Tayamoum. Alhamdoulilah, ça c'est, voilà, voiture ta'a muslim. Et un petit dessin, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, comme ceux qui ont des enfants, ils comprennent. Ouais, mes frères et mes sœurs, petit rappel, ce livre-là, c'est une grosse nirma. Oh, il vaut de l'or. Et toujours, c'est mon conseil, toujours avant de voyager, faites l'invocation du voyageur. C'est une grosse nirma. Pour tous ceux qui ne la font pas, qui n'ont pas encore pensé ou qui oublient ou quoi, je vous promets, je le jure par Allah Azawajal, quand tu l'as fait, franchement, tu auras la baraka dans ton voyage. Moi, j'aime trop cette invocation. Franchement, c'est spécial. C'est spécial, mais vraiment, vraiment... J'insiste les frères, essayez de la faire au maximum et faites celle du retour. Bah, je sais que la plupart d'entre vous ils la font, mais pour ceux qui ne la font pas, vous vous privez d'un trésor. C'est un livre qu'on m'a passé dès que je me suis converti, il y a presque 13 ans, 14 ans. Et ben franchement, je l'ai défoncé à coups de café et tout, starfelolalalazim. Et ma compagne, il accompagne mes petits, il était à 3,50€ et c'est... Bah, je ne vais pas dire c'est comme le Coran. Mais il bonifie ta vie. Ce livre, il bonifie ta vie. Après, je ne connais pas tout par cœur. Aucun rapport avec le sujet. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi. Dites-moi-le dans les commentaires. Parce que moi, j'ai une maladie. Dès que je commence un livre, je ne le finis pas. J'enchaîne sur un autre livre. Et en fait, je fais tout et je ne fais rien. Allez, bismillah. C'est parti pour le voyage. Non, je rigole. Ah, imagine la vidéo comme ça. 20 minutes de klaxon dans les oreilles. Je vais me faire insulter dans les commentaires. Oh, espèce de fou, que tu m'as mis des klaxons et tout. Non, c'était une blague, mes frères. Hein. Si je suis méchant, je vais vous dire, je vous ai montré un aperçu de Alger. Mais comme c'est Ramadan, je vais pas mentir. Et même, on ment pas toute l'année. Ben, c'était même pas Alger. Une dernière ma du voyage en terre d'islam. C'est que la vue, il n'y a que des frères. Des fois, je croise des frères, ils me voient avec ma femme et mes petits, ils baissent la tête, ils me passent le salam avec la main comme ça de loin. C'est vraiment, vraiment trop appréciable. Et même les gendarmes sur la route, il y a encore des sœurs et tout avec le jilbab. Ça fait partie de notre champ visuel, c'est une grosse nirma. Là, je ne sais pas si vous avez vu, donc du coup, j'ai pris la bretelle d'autoroute pour aller sur Alger. Il faut savoir que moi, je suis à Tlemcen, c'est-à-dire que je suis collé au Maroc. Et en fait, jusqu'à Alger, j'ai 600 km. Et jusqu'à la frontière tunisienne vers Soukahras, j'ai 600 km à peu près.
Dédicace à mon frérot, Bilal le routier. Mashallah, j'ai des frères, mashallah. J'ai un frère, il est routier, peut-être j'en ai d'autres. Je sais que eux, ils gobent les heures, ils gobent les voyages. Mashallah, Allah ibarak. Mais moi, 12 heures aller, 12 heures retour, ah, c'est dur pour moi. Je suis pas routier, mais khair, inshallah. Alors là, petite pause, j'ai fait manger mes petits. Pour ceux qui savent pas, en fait, quand tu voyages en islam, tu peux casser ton jeûne et rattraper derrière. Pour ceux qui sont malades ou en voyage. Moi, en fait, le voyage s'est déroulé sur 3 jours. Du coup, il y a une journée que pendant une journée, j'ai mangé. Et les 2 autres jours, j'ai voyagé comme ça à Agen. Mashallah, c'était facile. Ça, c'est mes petits. Lâche pas le Twitch. C'est vraiment. Tu sens l'apaisement dans nos cœurs quand on voyage par rapport à ce que. Parce que j'ai énormément voyagé en France et voyagé en Algérie. Ah, oh, les frérots, franchement, pourquoi on s'est infligé un mal comme ça? Tu sais, en France, tu arrives sur l'autoroute, tu veux faire la prière, tu fais le wodo dans les toilettes, les mecs, ils déraillent, les mecs, ils pètent les plombs. Ils te voient dans la salle des toilettes en train de laver tes pattes et tout. Oh, et tes pieds, hein. Oh, ils hallucinent, les gros. Ici, tu croises que des frères. Là, c'est Ramadan. Beaucoup de frères, ils font beaucoup d'efforts dans le comportement. C'est trop appréciable. Je vous fais un petit peu de publicité en même temps. Faut savoir que le mois dernier, je l'ai faite 3 fois. Tlemcen, Alger, Alger, Tlemcen, parce que je devais déménager. Et quand tu es fatigué, tu peux toujours venir te reposer dans les petites moussallas comme ça. Très bien entretenu, très très propre. C'est d'une facilité pour faire la prière. Tu as la salle de l'Ouaddou de l'autre côté. Les toilettes, c'est 20 dinars. Masha'Allah. Des fois, tu fais la prière en groupe. Et dès qu'ils voient que tu as le crâne et c'est la barbe, ils veulent que tu récites. Mais ils ne savent pas que tu récites comme une chèvre, tu sais. Alors, vu qu'il n'y a personne qui veut aller faire l'imam, tu es obligé d'y aller. Et là, ils ont la surprise. Ils se disent, enfin, qu'est-ce que c'est? Du coup, voilà, après 3 heures et demie de voyage, je fais la petite pause. Comme ça, les enfants, ils dégourdissent les jambes. Et c'est reparti. Hein. Encore une petite nasiha. Pour mes frères qui fument, non seulement ça pollue, mais en plus, ça vous pollue le cœur. Qu'Allah Azzawajal, le maître des mondes, vous retourne le cœur et que vous détestiez la cigarette. C'est reparti, direction Alger. Et là, pour les gourmands et les gourmandes, il va y avoir une petite surprise parce que je fais une petite halte à Boufarik, obligatoire, parce que sinon ma femme, elle me défonce. Et on va acheter la zarabia, tous les petits gâteaux comme ça. Ah, désolé pour les connaisseurs, les connaisseuses. Désolé, moi, je pite rien, moi. Les gâteaux arabes, moi, je ne comprends rien. Je les mange. Je parle pas comme un gros colonisateur dégueulasse, tu sais, qui dit ah, les gâteaux arabes et tout machin. Non, c'est que moi, je pite rien, rien. Moi, la cuisine, je travaille 4 mois en pâtisserie, je suis toujours une chèvre. Khair, inshallah. Allez, je vous mets l'eau à la bouche. Je sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo. J'espère que vous la regardez avant le iftar. Voilà, ben oui, c'est écrit là. Marhaba bikoum Zrabiya Boufarik. Là, dans la vidéo, il y en a, ils doivent dire, oh, Junaïd, arrête de parler arabe, s'il te plaît. Fais tes vidéos, mais parle pas arabe. Fais-moi plaisir. Allahi barak. مدخلا كريما ولا تتمنوا
حسابا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل Hein? Ouais, même tout de suite, hein? Et ouais, du coup, gros régal, c'est pour que vous viviez un petit peu l'ambiance dans les pays musulmans. Je vous fais découvrir Boufarik pour ceux qui ne connaissent pas, à peu près à une heure d'Alger. Et franchement, ma femme, c'est une connaisseuse, elle m'a dit c'est la meilleure d'Algérie, elle m'a dit c'est la meilleure. Bah après, il faut savoir qu'on est du sud, elle et moi, donc on en rajoute un peu 3 tonnes des fois. Ça, c'est un exemple de ce que tu peux trouver quand tu voyages. Un frère, il s'arrête sur le côté, dans son stand, il fait sa petite salade. Normal, frère. Normalement, ça doit vous faire rêver, ces choses-là. Ça doit nous faire rêver. Et là, ça y est, j'étais arrivé sur Alger, à Antalya. Donc, je m'excuse pour tous mes frérots. Je ne sais pas s'il y a encore du monde là qui regarde encore la vidéo, chez qui je ne suis pas passé sur Alger. Tous ceux qui m'ont invité, je m'excuse. Trouve-moi des excuses, je vous aime pour Allah, je m'excuse. Mais voilà, Antalya, c'est tard, ben loin, c'est pas comme Draria. Alger, vous connaissez, les Algérois, vous savez très bien que je peux pas me déplacer comme ça. Khair, Inch'Allah, en tout cas, qu'Allah vous récompense pour les invitations et tout que j'ai reçues. Je vais pas citer les noms, mais croyez-moi que tout ce qu'on fait du khair, je fais des doigts pour vous. Ramadan, la nuit, hafidhakumullah, qu'Allah vous protège, vous, vos familles, même les autres, hein, tout le monde, hein, tous mes frérots et mes sœurs, moi, vous savez, c'est la F. Et ouais, du coup, j'ai un frère, un Mouhajir, pareil, il loue un F2. Donc, du coup, j'ai eu un bon prix. Il m'a fait 6000 dinars, je crois, un truc comme ça. Mais bon, il faut savoir que c'est plus cher d'habitude, un F2, comme ça, près de la mer. Ouais, 6000 dinars la night. Sinon, je voulais dormir dans les dortoirs. Mais même les dortoirs, à 5, j'en avais pour 5000 dinars. Et là, au moins, tu vois, j'étais bien, tu vois, j'avais le F2, j'étais avec les petits. Ah ouais, et grosse news. Ah, vous savez, oh, ma femme, elle a une sœur, elle a insisté comme ça, elle a dit, oh, tu passes sur Alger, passe chez moi, je te fais le ftar et tout. Mais Bessif, elle a insisté, Bessif et tout, on était gênés, on était mal à l'aise. Attention, je vous montre pas par pudeur, parce que je sais qu'il y en a, mais ça qui n'y... Il y en a qui savent pas, mais il y en a qui mangent pas comme nous. Il y en a des frères et des sœurs qui ne mangent pas comme nous. Donc, je me suis permis de ne pas montrer. Qu'Allah le Tout-Puissant nourrisse tous mes frères et mes sœurs ainsi que leurs familles. Qu'il vous nourrisse et qu'il vous abreuve, ici-bas et dans l'au-delà. Mais ouais, la sœur, elle nous a fait une rechta de l'espace. Hein. Elle nous a mis crème saumon. Hein. Et après, juste après, tu as le canapé comme ça. Tu manges le ventre comme un ballon et tu te poses dans le canapé. Mais j'ai absolument rien contre les frères et tout, qui montrent et tout, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas là-dedans, moi. J'aime pas les polémiques. Juste, pour vous faire méditer, imagine, donc du coup, on est voyageurs, je pars donc avec ma femme et mes petits, et le soir, on ne sait pas ce qu'on va manger, et la femme, elle nous fait un plat chaud avec de la viande et tout. Juste après le plat, donc, la prière, franchement, j'étais merguez, j'ai pas pu aller faire talaweh. En plus, le frère, il m'a dit, oh, l'imam, il récite trop bien, viens avec moi, on fait talaweh et tout. Mais moi, j'étais par terre. Et il fallait que je reprenne des forces pour le lendemain. Il me restait à faire Antalya Soukahras. Du coup, ouais, ceux qui ont la voiture française, ils sont condamnés à voyager. Mais le côté positif, c'est que c'est notre pays, on peut le visiter, on l'aime trop, c'est nos routes. Voilà, c'est vos stations. Là, je vous montre vos stations, les stations essence, ouais. Du coup, vous allez beaucoup les aimer. Franchement, c'est la bombe. Voyager en Algérie,
J'aime trop. Les gens, ils sont trop simples. Toutes les stations que j'ai faites, Allah ibarak, elles étaient très propres. Là, c'est le côté des femmes. C'est ma femme qui a filmé. Vu comme c'est vert la montagne et tout. Ah, les frères et les sœurs, on a des terres, masha'Allah. Donc ça, c'était le moussala des femmes. Masha'Allah, avec le voile, pour ceux qui n'ont pas de voile, je pense, je présume. Hein. Après, je ne sais pas si c'est pas, si c'est pas, si c'est pas bien ce que je fais de filmer la mosquée des femmes. Est-ce que c'est pas un manque de pudeur ou quelque chose comme ça? Allahu a'lam, dites-le moi. Salle de l'Odo, mais bon, c'est les mêmes moussala, les mêmes salles de l'Odo, les mêmes toilettes que les hommes. Hein. Ça revient au même, en fait. Hein. Khair, mania, c'est de vous faire aimer votre nouveau pays, notre nouveau pays. Même si c'est pas totalement le mien, mais bon, ça y est, alhamdoulilah, j'ai fait ma troisième année de résidence, elle est en train de passer là. J'ai fait mon enquête à la police, normalement, tout est ok. Et en temps normal, tu manges dans les petits restaurants familiaux. C'est vraiment un gros délire, des fois tu vas dans les restos comme ça. Regarde, drapeau de la Palestine, eh oui, on lâche pas la Palestine. On n'est pas comme les autres gros porcs là qui soutiennent les autres gros porcs là qui lancent des bombes sur les femmes et les enfants. Allah Moustaran, et qui font ce que Hitler il avait jamais osé faire. Faut s'occuper d'eux là dans la fin du Ramadan, il faut s'occuper d'eux, faut faire des doigts les frères ou les sœurs, faut faire des doigts contre eux. Hein. C'est une arme puissante. Et ouais, vive la station, les petits ils ont joué. Et là donc du coup j'arrive à Soukahras. Ah Soukahras, j'aime trop hein. Je croyais que c'était tout petit et tout, mais en fait, Allah ibarak, elle est bien la ville, hein, ça bouge. Hein. Et moi, vu que je comprends pas trop l'arabe, de plus en plus, mais ma femme et mes enfants, ils étaient choqués par leur accent. Par exemple, le choubs, ils vont dire le choubiz. Et ouais, ils étaient totalement choqués. Du coup, pareil, même chose, on arrive à Soukahras et le soir, il faut qu'on trouve du dinar tunisien. Donc, j'ai toujours été bien accueilli dans cette ville. À chaque fois que je vais dans cette ville, les gens, ils sont d'une gentillesse, d'un respect. Et c'est pas comme certains pays, dès qu'ils voient un touriste, ils sont gentils avec lui, tatati. Non, ils sont gentils même quand ils savent que je vais pas leur donner d'argent. Ils sont gentils, les gens. Allah ibarak. Pour ceux qui vont à Soukahras, il y a un méchant hôtel, mais il est cher. C'est 7000 dinars la nuit. 7500 dinars la nuit pour deux personnes. Et il y en a un autre, il est complètement merguez. Je suis allé dans l'hôtel Fada. Je dis, oh, qu'est-ce ceci? Il avait le sida, le truc, quoi. Mais c'était 2000 dinars la nuit. Donc nous, on était avec les enfants, on ne savait pas si on allait passer la nuit ou si on allait lâcher le gros billet parce que c'était 10 000 avec les 5. Du coup, les petits étaient fatigués, ça faisait 2 jours qu'ils roulaient. Ah ben, je dis non, hein. On prend la route de nuit, maaliche. On a refait la route de nuit, mais là, il fallait acheter à manger parce qu'on n'avait plus à manger pour le soir. Ah, c'est quelque chose, les voyages. Hein. Mais encore une fois, tu médites sur la rahma d'Allah Azzawajal. Qu'il a facilité le voyage, la prière et tout, pour les voyageurs, parce que Allah Azzawajal, il sait que c'est difficile. Même le jeûneur, il est facilité en voyage. Du coup, pour le coup, eh ben, j'avais prévu, j'ai pris trois méchantes pizzas dans les petits kiosques Chaabi. Et en fait, j'arrive pour passer la douane, et il y a un frère, il me dit, que je connais pas bien sûr, il me dit, viens, il y a le restaurant pour les voyageurs. Du coup, trop content. C'est bon, je vais chercher. Vas-y. Alors regardez, là je suis arrivé à la frontière. Un frère il m'a dit quoi? Il m'a dit retiens, viens manger, tu manges ici. Ils ont une sorte de petit restaurant. Comme je suis avec ma femme, ils ont fait rentrer dans une pièce spéciale pour nous. Et là, en plus on n'avait pas spécialement prévu à manger pour ce soir. Parce que ce soir on va passer la frontière, on va faire le voyage. Et viens, regarde comme ils nous ont mis bien. Regardez, Allah ibarak comme ils nous ont mis bien. Alhamdulillah. Voilà mes frères, les talents de l'Algérie. Ah, barakallahu fik, et voilà, comme ça suffisait pas, ils nous ont ramené encore des petits trucs. Sahafturek. Sahafturkum. Salam alaikum. Mort de rire. Ah ouais, du coup j'ai dû garder mes pizzas pour le petit déjeuner le matin. Je me suis régalé, je me suis cassé le ventre. Et là, du coup, on arrive à la douane. Tu te dis, oh, enfin, je vais rester 400 000 ans. Faut savoir qu'il y a quatre postes de douane. Hein? Donc, un en Algérie, un en Tunisie, et pareil, un en Tunisie, un en Algérie. Là, j'ai passé le premier en Algérie. Du coup, j'arrive en Tunisie. Je passe le deuxième en Tunisie. Les douaniers, gentils, hein? Allah ibarak. Hein? Du coup, j'ai roulé toute la nuit. Parce que par rapport à la Tunisie,
je suis sorti dans un autre poste de douane. Et là, le matin, je m'étais endormi comme ça sur la route. J'étais crevé le matin. J'ai dit, allez, je m'endors et tout, je suis fatigué. Et où je me lève, c'était magnifique. En fait, alhamdoulilah, ils m'ont mis 3 mois en Tunisie. Au début, j'arrive... en Algérie, pardon. Ils m'ont mis 3 mois. Au début, j'arrive, j'ai fait le mec, tu sais, le mec qui connaît pas et tout. J'ai fait exprès, tu vois. Et il m'a dit, non, il m'a dit, la règle, c'est 6 mois dans l'année. Dans l'année. Là, tu es venu et tout, je te mets 3 mois. Mais bon, j'étais content, alhamdoulilah. Parce qu'une fois, au mois d'août, il m'avait mis 1 mois. Je leur ai dit, comment je trouve un billet en 1 mois au mois d'août? Et voilà. En fait, quand il m'a mis les 3 mois, j'étais trop content. Je stressais. J'ai fait des douras, à fond. Ils hallucinaient. Et mes petits, ils ont dormi dans la voiture toute la nuit. Du coup, ils ont vu juste un poste de douane, ou deux, je crois. Les deux autres, ils les ont pas vus. Et après, on est rentré tranquillou, pépère. Regarde, Medita, 2 jours de voyage. Medita, 2 jours de voyage. 2 fois, Allah Zawajal me fait le ftor, repas chaud. 3e jour de voyage sur l'autoroute, je vois pas un frère en voiture, il me fait des appels de phare comme ça. J'étais vers Alger, c'est mon frère au Faisal, il m'arrête et tout, il me dit mets-toi sur le côté, tout ça. Je me mets sur le côté, il me dit je t'ai péché, tu manges chez moi ce soir, on fait le ftor ensemble, c'est obligé, je te lâche pas et tout. J'ai dit non et tout, il me dit oui on mange ensemble et tout. Subhanallah, 3 repas chauds, il m'a mis bien le frère et tout. Sa femme, la sœur Meskina, elle a cuisiné pour nous et tout comme ça. Il appelle et dit oh, dans 1 heure, je suis là avec Junaïd et tout comme ça. Qu'Allah vous préserve, mes frérots et mes sœurs. Je vous aime pour Allah.